Présentation de Reboot, réparez, sortez votre iPhone du mode restauration. Sortir du mode de récupération sans restaurer. Votre iPhone, iPad ou iPod n'est pas reconnu par iTunes lorsque vous voulez le restaurer depuis sauvegarde. Entrée barre oblique quitter le mode de récupération avec un seul clic. Résoudre non seulement les problèmes de mode de récupération, mais aussi tous les types de blocages iOS. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo dernièrement qui marche très bien, qui est comment entrer et sortir en mode défu avec son iPhone pour le mettre à jour ou le restaurer. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne, elle a plus de 45 000 vues, donc elle fonctionne très bien. Mais beaucoup de gens aujourd'hui rencontrent des problèmes sur leur iPhone ou leur iPad lorsqu'ils le mettent en mode DFU. Alors le mode DFU, c'est le mode développeur pour update. Donc lorsqu'on veut mettre son iPhone ou installer une version iOS bêta par exemple. Et donc ici, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont posé ces questions et qui ont eu parfois beaucoup de mal à sortir du mode DFU parce que leur iPhone était bloqué, parce que leur iPad ne voulait plus en sortir. J'ai trouvé un logiciel. Ce logiciel s'appelle Reboot et voilà ce qu'il va pouvoir vous faire. On va créer cette vidéo pour vous, pour que vous puissiez sortir du mode restauration sans problème grâce à Reboot. Donc c'est parti, les règles à suivre. Entrée barre oblique quitter le mode de récupération avec un seul clic. Un moyen simple pour mettre iPhone, iPad, iPod en mode de récupération. Votre iPhone, iPad ou iPod n'est pas reconnu par iTunes lorsque vous voulez le restaurer depuis sauvegarde. iTunes n'a pas pu sauvegarder ou restaurer l'iPhone car il est déconnecté. iPhone redémarre en boucle après la mise à jour iOS. Mettre iPhone en mode récupération résout tous ces problèmes. Reboot vous offre une solution de placer l'appareil iOS en mode de récupération en un seul clic. Sortir du mode de récupération sans restaurer. iPhone est bloqué en mode récupération et toutes les données sont perdues après avoir utilisé iTunes pour le restaurer. Aucune restauration, sans perte de données. Reboot vous permettra de sortir du mode récupération sûrement et de redémarrer iPhone, iPad, iPod Touch coincé afin qu'il fonctionne. Voilà, donc tout d'abord, il va falloir se rendre sur la page de téléchargement de Reboot. Dans cette page, il y aura donc un lien ici. Tenor ça Reboot, lien. Télécharger, lien. Télécharger. Attention, le logiciel n'est compatible qu'avec Windows. Si vous avez un Mac, soit vous avez une machine virtuelle, comme ici, j'ai sur mon Mac, soit vous avez donc un PC qui tourne sous Windows et vous pouvez brancher votre appareil en difficulté sur ce PC après avoir installé Reboot. Je vous mettrai sous la vidéo, dans la description, l'URL de la page, ainsi que le lien direct de téléchargement. Une fois le logiciel téléchargé et installé, c'est une installation classique. On a un point .exe, on clique dessus, une boîte de dialogue, suivant. Ensuite, ici, on va passer sur la machine virtuelle. Système à une nouvelle fenêtre. On a donc ensuite l'installateur qui va aller rechercher l'intégralité des pilotes. Dans la suite de la vidéo, vous allez voir comment cela se passe. Voilà donc, le logiciel Reboot est en train de télécharger ici installation de pilote iTunes et d'installer des pilotes iTunes. Cela prendra quelques minutes, veuillez patienter. Voilà, comme cela, en fait, grâce au logiciel, il aura intégré directement tous les pilotes iPhone, iPad, iPod et on va pouvoir sortir notre appareil en mode DFU, en mode restauration, si on est bloqué sur notre appareil avec le logo iTunes et le câble Lightning. Donc grâce à Reboot, on va pouvoir sortir de cette impasse. Ici, normalement, installation terminée. On a terminé l'installation et le logiciel va normalement redémarrer. Une fois l'installation terminée, voilà à quoi ressemble votre icône sur votre bureau. On est ici sur un Windows 10, donc compatibilité à Windows 7, Windows 10 sans problème. On lance le logiciel Reboot. Bureau sécurisé. Ici, on va donner l'autorisation à ce que le logiciel se lance. Et c'est parti. Voilà donc le logiciel qui se lance et qui va nous demander de brancher notre iPhone
pour pouvoir faire son travail. Ici, on a différentes suggestions que nous offre le logiciel. Connectez votre appareil iOS à votre ordinateur avec un câble USB. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, voilà, donc on va lui dire pour qu'il soit connecté directement sous Windows. Voilà. Bureau liste. Faire confiance à votre ordinateur. Installation du périphérique. 1. Si votre appareil iOS est protégé par mot de passe, veuillez le déverrouiller tout d'abord. Reboot fenêtre. Votre appareil iPhone 7 Plus est connecté. Entrez en mode de récupération. Placez votre appareil iOS en mode de récupération en un clic. C'est en train d'entrer dans le mode de restauration. Veuillez patienter. On va donc tout de suite brancher notre iPhone. Et par le biais de cette technique, vous allez pouvoir soit d'un seul clic mettre votre iPhone en mode restauration ou DFU. Et même si votre iPhone est bloqué en mode restauration ou DFU, vous allez en un seul clic pouvoir le débloquer. Alors ce logiciel, c'est la version gratuite. Il y a donc une version professionnelle qui est payante et qui va en plus vous faire d'autres choses. Nettoyer, réparer certaines choses qui peuvent arriver à votre iPhone. Donc ici, en le branchant, on va voir ce qui se passe. Puisque ici, j'ai une machine virtuelle. Sur quelle machine je veux le mettre? Donc, on va bien lui dire de le mettre sur Windows. Recharge de la batterie de l'appareil, 79%. Image. Donc, l'appareil vient d'être reconnu par mon système d'exploitation. L'application étant ouverte, lorsqu'on a branché notre iPhone, voici le message que l'on peut avoir directement pour mettre. Entrez en mode de récupération. Placez votre appareil iOS en mode de récupération en un clic. Voilà, donc ceci, ça serait pour le mettre en mode récupération ou en mode DFU pour réinstaller une version iOS bêta par exemple, ou restaurer son iPhone ou le mettre à jour directement. Donc si je clique sur ce bouton, instantanément, mon iPhone se mettra sur la fenêtre avec le câble Lightning et le logo iTunes. Alors je précise vraiment en un seul clic sans jamais manipuler mon iPhone. On va cliquer comme pour le mettre en mode DFU. Placez votre appareil iOS en mode de récupération en un clic. Reboot, c'est en train d'entrer dans le mode de restauration. Veuillez patienter. Et donc comme vous pouvez voir, mon iPhone s'est mis instantanément en mode DFU, en mode restauration. À ce moment, bien sûr, vous avez la fenêtre de iTunes qui s'ouvre. Dès que l'iPhone s'est mis en mode restauration, iTunes s'ouvre et une boîte de dialogue s'offre à vous et elle vous raconte. L'iPhone a rencontré un problème nécessitant sa mise à jour ou sa restauration. Vous pouvez peut-être résoudre le problème en mettant à jour votre iPhone, ce qui vous permet de conserver vos réglages et votre contenu. Cependant, si la mise à jour ne résout pas le problème, vous devrez peut-être cliquer sur Restaurer, ce qui effacera tous les réglages et tout le contenu. Si vous avez sauvegardé l'iPhone sur cet ordinateur ou sur iCloud, vous serez invité à restaurer la sauvegarde sur l'iPhone. Alors, ça sera à vous à faire le choix. Soit vous allez Restaurer, soit vous allez mettre à jour par défaut. La solution de mettre à jour, c'est que votre iPhone sera mis à la dernière mise à jour iOS actuelle, qui est la version 10.2. Mais si cela ne fonctionne pas, vous allez pouvoir restaurer. Mais si vous n'avez pas fait de sauvegarde au préalable, vous allez tout perdre. Mais en restaurant, là aussi, vous allez restaurer la dernière version d'iOS 10.2 ou éventuellement, au redémarrage, si vous aviez fait une sauvegarde, vous allez pouvoir restaurer la dernière sauvegarde faite sur iTunes. Alors, vous avez votre iPhone en mode restauration, DFU. Il est bloqué, vous n'arrivez pas à le sortir manuellement, aucune possibilité. Vous rencontrez donc des difficultés à le sortir du mode restauration, c'est-à-dire que lorsqu'il est comme ça, vous n'arrivez pas du tout à le sortir. Vous allez cliquer sur le bouton ici qui va nous donner sortir du mode de récupération. Sortir votre appareil iOS du mode de récupération en un clic. Là, à ce moment-là, en un clic, votre iPhone va normalement sortir de son mode restauration et revenir sur son état normal. Si ce n'est pas le cas,
Vous avez donc un très gros problème avec votre iPhone et éventuellement, voire avec la version Pro de Reboot, si vous allez pouvoir réparer les difficultés rencontrées sur votre iPhone bloqué. Ici, nous, on va lancer directement. C'est parti. Bouton. Instantanément, mon iPhone est sorti du mode restauration. Et c'est parti. Et comme vous pouvez voir, on est revenu sur comment taper le code. Revenir sur l'écran principal de notre iPhone. Voilà donc ce que peut vous proposer aussi Reboot si votre iPhone a des difficultés ou a des problèmes internes. L'essai d'entrée en mode de récupération a échoué. Votre appareil n'est pas en l'état normal. Cliquez réparer le système d'exploitation pour le corriger et l'optimiser afin d'avoir sa performance optimale sans perte de données. Réparer le système d'exploitation. Annuler. Voilà donc l'application Reboot, l'application qui va vous aider à débloquer votre iPhone. Si votre iPhone a des soucis quelconques, si vous n'arrivez pas à l'enlever du mode restauration, Reboot va pouvoir certainement vous aider. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour continuer à m'encourager. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !